Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée à notre ESBA lunaire maintenant traditionnelle. Nous allons célébrer ensemble la pleine lune du mois de février, du 16 février, qui est surnommée la lune des neiges. Et pour cause, puisqu'en principe le mois de février est l'un des mois le plus froid et où la neige est présente en quantité. Bon, malheureusement pas chez moi, elle a décidé cette année encore de ne pas vouloir venir, mais j'espère que chez vous, vous en avez un petit peu. Si c'est le cas, pensez à moi, j'adore la neige. Alors, cette pleine lune, en quoi va-t-elle consister? Eh bien, elle va nous apporter tout un tas de choses. C'est une pleine lune qui est particulièrement optimiste. En plus, cette pleine lune passe dans la constellation du lion, qui est un signe de feu, un signe extrêmement fort, qui va apporter la vitalité, la force, la passion et tout un tas d'autres choses. Et combiné avec notre pleine lune, eh bien, cela va favoriser les échanges, la communication, les relations, la concrétisation des projets, des envies, des souhaits, nous donner la passion, l'énergie, la motivation d'aller au bout de ce que l'on veut réaliser, mettre en place également de nouvelles choses. C'est une lune qui est particulièrement positive et qui est une... Alors, c'est un petit peu paradoxal ce que je vais vous dire, mais c'est une pleine lune, malgré que ce soit un ESBA, qui est placée sous le signe du soleil. C'est une pleine lune qui est solaire, d'où sa combinaison avec la constellation du lion et les forces qui lui sont attribuées. Dans quelques instants, on va faire place au rituel. Je vous expliquerai également comment je vais procéder. Mais avant de débuter, nous allons réaliser nos énergies avec un petit tirage. Pour celui-ci, je vais utiliser l'oracle des sigils mystiques. Vous savez, vous connaissez hein, ceux qui ont réalisé l'ESBA lunaire du mois dernier, la mésaventure qui m'est arrivée avec cet oracle. Rassurez-vous, le problème a été réglé hein, puisque j'ai été contraint du coup de commander un nouveau jeu. Heureusement que ce sont les miens parce que ce serait un petit peu embêtant quand même si c'était d'autres jeux. Donc les sigils mystiques pour avoir notre message de la lune, de notre pleine lune. Et on utilisera également l'oracle des merveilles pour eh bien, détailler un petit peu le tirage. On y va, comme d'habitude, on va s'en prendre deux. Je vous invite à faire également le vide dans votre esprit, hein. Profitez de ce moment, profitez de cette vidéo. Dites-vous que cette vidéo, c'est votre moment privilégié. Donc vous ne pensez pas au mari, à votre épouse, aux enfants, au travail, à tout ce qui vous contrarie. Non, vous vous détendez, vous relaxez et vous videz votre esprit. Vous me faites un bon exercice de relaxation et de respiration comme je vous l'apprends depuis maintenant un quart de siècle. Normalement, vous devez maîtriser la technique de respiration. Et on y va tout de suite. Alors, le premier message, nous avons la manipulation associée à l'illusion. Et pour le deuxième, nous avons l'équilibre et la sérénité. Et effectivement, je trouve qu'on a un message qui est cohérent avec notre pleine lune puisque on nous parle de manipulation et d'illusion et c'est justement ce que ce rituel va nous aider à arrêter. C'est-à-dire ne plus nous faire manipuler, ne plus croire en certaines choses, en certaines personnes, mais au contraire reprendre le contrôle de notre vie, reprendre le contrôle de notre volonté, mettre en place ce que nous voulons, ce que nous désirons pour notre vie, pour notre avenir et ce que nous voulons eh bien, qu'il se réalise. Et pour cela, nous devons impérativement nous détacher de certaines choses. Je vous rappelle que le rituel précédent nous avait aidé justement à couper ces liens. Donc maintenant que les liens sont coupés, nous sommes un peu comme des électrons libres qui nous promenons comme ça dans l'immatériel. Et il nous faut maintenant eh bien, un but, un chemin vers lequel se diriger. Il nous faut trouver notre atome avec lequel nous allons fusionner pour créer quelque chose de nouveau. Et pour cela, nous devons impérativement ouvrir nos œillères, hein, retirer ces œillères, retirer aussi les personnes de notre vie qui nous manipulent, retirer aussi les situations, parce que parfois certaines situations nous manipulent aussi, et il va falloir apprendre à se libérer complètement et reprendre le contrôle des choses, apprendre à voir clair. Et c'est grâce à ceci qu'on va pouvoir accéder à la seconde carte, à savoir l'équilibre et la sérénité. Car en effet, si à l'heure actuelle, vous ne trouvez pas votre équilibre, c'est très probablement
probablement dans votre vie, il y a quelque chose qui pollue votre existence, il y a quelque chose qui vous pollue vous-même, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous réaliser. Et pour cela, vous devez impérativement cesser de vivre dans vos illusions, dans vos chimères, dans votre petit monde dystopique, mais au contraire prendre conscience de la réalité, prendre conscience de ce qu'il se passe autour de vous et reprendre le contrôle sur tout ça. C'est ainsi que vous allez pouvoir accéder à l'équilibre et à la sérénité et retrouver vous-même votre équilibre. Allez, on va compléter avec l'oracle des merveilles. Nous avons le champignon qui nous parle du pays des merveilles. Alors c'est quand même assez drôle puisque justement je vous disais de reprendre le contrôle. Et le champignon, eh bien comme on peut le voir, pour ceux qui connaissent le conte de Alice au pays des merveilles, on sait qu'une moitié nous fait rapetisser, enfin un côté nous fait rapetisser et l'autre côté nous fait grandir. Donc on est comme ça tout le temps en déséquilibre à ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut prendre. Mais justement, il va falloir reprendre le contrôle sur tout ça. Qui plus est, le champignon, c'est aussi un message subliminal hein, pour faire comprendre que le champignon, il nous fait voir des choses qui n'existent pas forcément. Et bien justement, il faut reprendre le contrôle sur tout ça et il va falloir vous décider sur quel côté vous allez vouloir vous diriger. Soit vous prenez le côté qui vous fait rapetisser, autrement dit, soit vous continuez votre vie actuelle et vous vous complaisez dans vos illusions et dans vos chimères et ainsi vous allez régresser. Soit au contraire, vous décidez à prendre l'autre côté qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer, et c'est ainsi que vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur les choses. Et l'autre, nous avons les lunettes avec la vision troublée. Oui, bah, j'ai envie de dire, ça va avec, hein, ça va avec. Et c'est même très logique qu'on ait ces cartes-là, puisque on nous parlait justement d'illusions. Donc là, il est temps, au contraire, d'enlever les lunettes, d'enlever ce que, comme je vous ai dit, les œillères, hein, enlever ce qui vous fait croire à certaines choses. Ne plus vous référer, justement, à ce qu'on vous dit, mais plutôt à revêtir quelque chose qui est adapté. Parce qu'une paire de lunettes, elle peut corriger votre vision. Et si elle est mal adaptée, au contraire, elle va finir de la détraquer et vous allez y voir encore plus trouble que. Donc pour cela, il faut trouver vraiment la chose qui vous convient. Et comment trouver la chose qui vous convient? Et bien tout simplement en cherchant, en mettant en place des choses, des stratagèmes, des stratégies. Il faut pas juste attendre hein, dans la vie. Si vous attendez que les choses se présentent à vous sur un plateau d'argent, j'ai bien peur que vous attendiez très longtemps et que les choses ne se réalisent jamais. Avoir la foi, c'est bien, mais attendre que les choses viennent à vous, non. Vous allez perdre un temps précieux. Au contraire, prenez des options, dirigez-vous vers des choses qui vous permettront d'avoir immédiatement des choses concrètes que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, on a des énergies qui sont extrêmement cohérentes avec notre pleine lune. Allez, maintenant, je vous propose de changer d'angle afin que vous puissiez eh bien, assister au rituel et je vais vous expliquer comment les choses vont se dérouler. Avant de débuter notre rituel, je vais donc vous expliquer qu'est-ce que je vais utiliser comme rituel, qu'est-ce que j'ai mis en place aussi sur mon autel afin que vous puissiez profiter au maximum de tout ce que je vais mettre en place. Alors, je vais utiliser la technique des petits pots et invoquer les différents éléments pour nous apporter eh bien, leur aide dans des domaines précis de la vie. On sait par exemple que l'élément de l'eau est associé à tout ce qui est émotions et sentiments, la terre est associé au bien matériel, à la finance, à la réussite, à la chance, à la santé, etc., etc. Donc je vais invoquer et inviter les éléments afin qu'ils trouvent leur place dans un petit pot que je vais ensuite relier via un fil en utilisant la technique des moires. Pour ceux qui connaissent, hein, les moires sont ces trois femmes qui tissent eh bien, la destinée des hommes. Hein. Il y en a une qui file la laine afin de créer un fil, l'autre qui va venir tisser sur la tapisserie de la vie et l'autre qui va couper ce fil pour symboliser la mort. Je vais donc utiliser ce fil des moires pour ensuite lier les pots entre eux afin de le connecter au pot central. Dans ce pot central, qu'est-ce qu'il y a? On va y trouver un mélange de sel blanc et du sel noir. Donc le sel blanc, c'est du sel de mer, donc associé à l'élément de l'eau. Et le sel noir, c'est un sel qui est issu de la terre, donc on va avoir l'élément terre. Et sur ce lit de sel, on va retrouver donc sur des papiers tous les participants du rituel.
Et par-dessus, afin de créer une sorte de connexion et de polarité avec le lit de sel, j'ai ressaupoudré à nouveau avec du sel blanc et du sel noir. J'ai mis de la sauge pour purifier cet élément et pour purifier aussi l'environnement du pot à souhait. Et j'ai rajouté également des pétales de rose rouge pour symboliser la passion et l'amour. Puisque sur l'autel, j'ai utilisé beaucoup de choses afin vraiment de maximiser les chances d'énergie et de connecter les différents événements cosmiques et les événements également, j'ai envie de dire, calendaires hein, qui peuvent se produire, à savoir Imbolc, c'est pour ça que j'ai ajouté la petite croix de Brigide. J'ai mis la constellation du lion puisque notre pleine lune est en lion. J'ai également ajouté un petit tigre pour le clin d'œil au nouvel an chinois, comme le tigre étant un parent du lion. Ainsi, on a vraiment toute la famille des félins qui est présente pour nous aider au maximum. Toujours pour maximiser les chances, comme vous avez pu le voir, j'ai disposé les pots en forme de pentacle hein, sur justement mon pentacle d'autel. Et à chaque branche du pentacle, je vais utiliser les solides de Platon qui sont... Alors, je vais pas épiloguer sur les solides de Platon parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et je vous ai prévu une vidéo pour vous détailler et vous présenter les solides de Platon. Mais ce sont des solides qui sont particulièrement intéressants pour connecter justement différents éléments cosmiques et alchimiques. Donc je vais utiliser les solides de Platon et il faut savoir que ces solides sont chacun associés à un élément particulier. C'est pour ça que je les ai disposés d'une certaine forme, j'ai utilisé ma petite boussole afin de pouvoir connecter par exemple le cube qui est associé à l'élément de la Terre, qui lui-même est associé au point cardinal du Nord. Donc là ce que vous voyez c'est mon Nord à moi. Et ainsi j'ai disposé chaque solide sur chaque pointe du pentacle afin de pouvoir connecter avec les différents points cardinaux qui sont eux-mêmes rattachés aux éléments. Éléments qu'on retrouvera bien évidemment dans les petits pots ici. J'ai également mis des petites bougies pour fermer le pentacle. On va retrouver comme d'habitude hein, les choses classiques de rituel, à savoir l'encens. Alors pour l'encens, je vais en utiliser trois. Je vais utiliser l'encens de Santal ou Bethléem également, qui est bien pratique pour tout ce qui est rituel magique, la conjuration, le sacré et la purification. Je vais utiliser de l'oliban, hein, puisque l'oliban et la myrrhe sont les deux encens pour cette période-là précise hein, de la pleine lune, qui est particulièrement efficace contre le mal, pour la purification et accessoirement pour les rhumatismes aussi, sachez-le. Donc si certains voient une certaine amélioration dans leur rhumatisme, ce sera peut-être dû à l'encens d'Oliban. Et enfin, l'encens de Jérusalem pour tout ce qui est rituel magique, pour le spirituel, pour apporter une puissante protection et surtout favoriser la chance. Donc ça, ce sera pour les encens. Je vais utiliser dans mes petits pots pour mettre mes éléments. Donc il y aura pour l'élément de la terre, j'ai prévu des pierres, à savoir de la citrine, de l'ambre, une pierre de soleil, parce que comme je l'ai dit, malgré que ce soit un esba, esba ça veut forcément dire lunaire, hein, c'est rattaché à la lune. Le sabbat c'est une fête majeure, vous les connaissez, hein, c'est Samhain, Imbolc, Ostara, ça sont des sabbats qui sont rattachés en principe aux énergies solaires, et les esbas c'est toujours énergie lunaire. Mais celui-ci, il fait une petite exception parce que c'est un, il est placé sous des énergies plutôt solaires, hein, puisque la constellation du lion, le lion est rattaché au feu, donc qui dit feu dit forcément solaire, hein, tout ce qui est lumineux. Donc c'est pour ça que j'ai pris une pierre de soleil, il y aura également une pierre de lune, j'ai pris du jaspe polychrome pour tout ce qui est ancrage et de la cornaline pour favoriser la chance, etc. Et puis j'ai pris des pierres, je sais pas, des pierres qui me parlaient beaucoup, je suis parti sur des pierres aux tonalités orange, rouge, jaune, pour justement rappeler l'élément du feu hein, qui gouverne un petit peu. D'ailleurs j'ai aussi opté pour une nappe rouge, pour le petit clin d'œil aussi à la Saint-Valentin, même si vous savez que je n'aime pas cette fête, qui est une fête commerciale, mais la Saint-Valentin est intéressante dans le sens où je vous invite à aller découvrir qui était Valentin exactement, et vous allez découvrir que avoir créé la fête de la quand on connaît l'histoire de Valentin, je trouve pas ça très approprié, mais bon, pourquoi pas. Donc Valentin était un martyr, hein, il y a eu beaucoup de choses qui sont produites avec Valentin, et entre autres des choses en lien avec le sang, donc c'est pour ça que j'ai aussi opté pour une nappe rouge.
Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Les petits éléments donc que je vais mettre dans les pots. On aura donc pour le pot de la terre, je vais y mettre mes pierres qui sont ici consacrées. Pour l'élément de l'air, je vais utiliser de l'encens avec ma petite plume. Pour l'élément de l'eau, je vais ajouter ma petite eau hein, qui est issue de ma petite rivière à côté de chez moi. Pour le feu, j'y ai mis une bougie. Et pour l'esprit, eh bien, il n'y en aura pas besoin dans le sens où vous allez voir, ma formule est faite pour invoquer justement l'esprit, donc l'esprit sera déjà présent dans le pot. Et ensuite, comme je vous l'ai expliqué, on va donc connecter les différents éléments et le rattacher au pot central afin de vous lier, de nous lier, parce que je me suis inclus cette fois-ci, hein, vous m'aviez, plusieurs m'ont dit, bah Jojo, tu t'es oublié pour le rituel précédent, donc je vous ai écouté, je me suis inclus dedans. Je vous vois venir, pourquoi est-ce que j'ai mis des petites clés ici? Eh bien tout simplement, vous savez que la clé, c'est le symbole de la destinée, c'est l'outil qui nous permet d'ouvrir les portes, hein, d'ouvrir tout ce qui est verrouillé. Donc j'ai mis un petit trousseau de clés pour vraiment symboliser cet aspect d'ouverture, pour nous offrir les clés justement de la destinée, les outils nécessaires qui vont permettre d'ouvrir les portes, de débloquer tout ce qui peut nous empêcher d'avancer dans la vie. Attention, ce rituel, je préfère vous avertir, ne va pas tout vous apporter sur un plateau d'argent, c'est-à-dire ne restez pas affalé sur votre canapé, hein, et puis venez me dire après dans 3 semaines, 1 mois, 6 mois, bah Jojo, ton rituel c'est de la merde, il a pas fonctionné. Non, mais si vous n'avez rien fait, c'est normal aussi, hein. Ce rituel, il est là pour vous aider, pour favoriser la chance, les énergies, afin que ce que vous allez mettre en place puisse se réaliser et se concrétiser. Donc si vous ne faites rien, ça va pas se faire tout seul, hein. Qu'on soit bien d'accord. J'ai envie de vous dire, c'est comme le sport. Le sport ne vous fait pas perdre du poids. C'est vous qui vous mettez au sport et c'est grâce au sport qui ça vous aide à perdre du poids. Hein. Il y a une relation comme ça, intrinsèque, de cause à effet. Ce rituel, c'est la même chose. C'est un allié, c'est une aide qui va vous assister, qui va vous permettre d'ouvrir les portes, mais c'est à vous aussi d'aller toquer aux portes. Hein. Ça, j'insiste très très lourdement là-dessus. Voilà donc mes chers amis. On en termine ici pour la présentation du rituel. Maintenant, on va pouvoir véritablement débuter notre rituel. Comme d'habitude, avant de réaliser le rituel, je vais d'abord réciter l'ode dédiée à la lune, issue du livre Champ de pouvoir de Julien Miavril et Gulliver l'aventurière. Allez, je vous invite à prendre une profonde respiration. Imaginez que vous soyez avec moi en train de réaliser le rituel. Essayez de visualiser aussi toutes les opportunités, toutes les choses qui vont pouvoir se présenter à vous, tout ce que vous avez envie aussi de réaliser, tout ce que vous avez envie de concrétiser, ce que vous voudriez obtenir également dans la vie et comment vous les diriger 2022. Ô lune, notre sœur stellaire, nous t'invoquons en cette heure où, pleine et irradiante de lumière, tu invites chacun de tes serviteurs à célébrer ton pouvoir supérieur. Par ta force infinie de transformation, ton éclat royal qui brise toute limitation, ton énergie qui magnétise notre sang, et par ce brasier fertile gouvernant, déraine de feu la magique initiation. Ô lune, notre sœur stellaire, nous te louons d'être cette messagère qui plonge dans nos gouffres intérieurs, dans nos rêves et nos vies antérieures pour en extraire la divine lumière. Notre cercle, alors par un chant nous ouvrons, un chant porté par le souffle des célébrations, et ensemble nous voilà tous ivres, communiant la danse sauvage et sacrée des esprits exécutants, et tout le ciel, ô lune, assiste alors à notre union. Maintenant, je vais ouvrir la cérémonie et inviter les esprits et les entités à nous rejoindre ici et maintenant. Puissent les entités, les énergies d'ici et d'ailleurs
entendre mon appel et répondre sur l'heure, afin de se joindre à moi dans ce rituel consacré et sacré. Je vais maintenant procéder à la formule d'appel et d'invocation en exprimant également les vœux que nous souhaitons. J'invoque les forces de la nuit noire, celles présidées par la pleine lune de ce soir. Que se matérialise ici le cône de pouvoir afin d'écrire par magie une nouvelle histoire. Je conjure les énergies de la lune des neiges pour que les obstacles prennent fin et se désagrègent. Que les fluides cosmiques tournent tel un divin manège afin d'alimenter par la puissance ce sortilège. J'invite la force alliée du lion, entends mon appel depuis ta constellation. Joins-toi à ma cérémonie avec conviction et repais-toi des entités néfastes qui font obstruction. Que prennent fin les peurs et les doutes, ceux qui mettent nos esprits à la déroute. Que nos corps se voient animés par la motivation des vœux souhaités. Que notre capacité à communiquer prenne son essor dans une amplitude sans effort. Que les barrières devant nous dressées soient détruites par la seule force de notre volonté. Que l'impossible devienne possible et l'invisible devienne visible. Que l'inconnu présent sur notre chemin devienne l'amour, l'amant, l'ami de demain. Par le pouvoir de 3x3, ma volonté est roi et qu'ainsi se fasse à travers le temps et l'espace. Maintenant, je vais inviter le premier élément, à savoir celui de la terre. Je vais donc placer mes différentes pierres dans le petit pot. Entends mon appel, toi gardien du royaume de Nord, qui régit l'élément de la terre. À toi maîtresse de l'abondance, mère de toutes les chances, toi qui donnes sans compter, je te demande force et vitalité. Que mon corps soit ton sanctuaire, afin d'être connecté à tes terres. Merci de pourvoir à mon avenir qui m'effraie sans te mentir. Veille par ton amour maternel, celui qui demeure inconditionnel. Béni sois-tu, gardienne du Nord. Ensuite, l'esprit de l'air. J'invoque le gardien du royaume de l'Est, gérant de l'élément air. À toi, maître des changements, de tes alizés virevoltants, apporte-moi les graines nouvelles, car ma vie a besoin d'elles. Pour retrouver un souffle de liberté et s'exalter dans la gaieté. Que dans tes courants se disperse la monotonie qui sans cesse se manifeste et me lasse à travers le temps et l'espace. Béni sois-tu, gardien de l'Est. J'invoque le gardien du Sud, gérant de l'esprit du feu. À toi, maître des passions, de tes forces de consommation, ravive en moi la flamme originelle, celle de l'amour charnel. Purifie ce qui me ronge pour adoucir mes songes. Donne-moi la bravoure du cœur et le courage d'affronter mes peurs. Cautérise mes plaies pour soigner mes abcès. Béni sois-tu, gardien du Sud. Et enfin, le dernier élément, celui de l'eau. J'invoque le gardien du royaume de l'Ouest, gérant de l'élément de l'eau. À toi, maîtresse des émotions, de tes éclats sans transition, je m'abandonne à tes flots pour naviguer loin des maux. Conduis-moi sur de nouveaux rivages, là où la paix dort sur la plage. Emporte dans tes torrents ce qui trouble mes sentiments. Ravive l'eau dans mon corps pour que l'énergie revienne sans effort. Béni sois-tu, gardienne de l'Ouest. Maintenant, je vais connecter les différents éléments avec le pot central. Je vais commencer avec l'élément de la terre. Tel le lien tissé par les moires de la destinée, à mon tour je crée ce lien entrelacé, afin que soit connecté par cette magie sacrée, ce sortilège lancé que rien ne pourra démêler, ni même altérer, car telle en est ma volonté. Autour de l'élément air, «
Tel le lien tissé par les moires de la destinée, à mon tour je crée ce lien entrelacé, afin que soit connecté par cette magie sacrée, ce sortilège lancé que rien ne pourra démêler, ni même altérer, car tel en est ma volonté. Autour de l'élément feu, tel le lien tissé par les moires de la destinée, à mon tour je crée ce lien entrelacé, afin que soit connecté par cette magie sacrée, ce sortilège lancé que rien ne pourra démêler, ni même altérer, car telle en est ma volonté. Autour de l'akasha, l'esprit, tel le lien tissé par les moires de la destinée, à mon tour je crée ce lien entrelacé, afin que soit connecté par cette magie sacrée, ce sortilège lancé que rien ne pourra démêler, ni même altérer, car telle en est ma volonté. Et enfin, dernier élément, autour de l'eau. Tel le lien tissé par les moires de la destinée, à mon tour je crée ce lien entrelacé, afin que soit connecté par cette magie sacrée, ce sortilège lancé que rien ne pourra démêler, ni même altérer, car telle en est ma volonté. Que prennent fin les peurs et les doutes, ceux qui mettent nos esprits à la déroute. Que nos corps se voient animés par la motivation des vœux souhaités. Que notre capacité à communiquer prenne son essor dans une amplitude sans effort. Que les barrières devant nous dressées soient détruites par la seule force de notre volonté. Que l'impossible devienne possible, que l'invisible devienne visible. Que l'inconnu présent sur notre chemin devienne l'amour, l'amant, l'ami de demain. Par le pouvoir de 3x3, ma volonté est roi, et qu'ainsi se fasse à travers le temps et l'espace. Voilà mes chers amis pour le rituel principal. Bien évidemment, le rituel ne se termine pas maintenant puisque je vais laisser consumer les bougies et je vais également laisser passer la nuit se dérouler et à la fin, au petit matin, je sonnerai la cloche pour officialiser et terminer le rituel et aussi le clôturer. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est prendre un temps aussi pour vous, formuler vos propres demandes, formuler votre propre prière. Ça permettra de pouvoir amplifier le sortilège. Et n'oubliez pas que la magie pourra opérer si vous en avez la volonté et si vous mettez les choses en place. N'oubliez jamais que la magie est là pour vous aider et non pas pour tout vous apporter. Allez, j'espère que ce rituel vous aura plu, chers amis. Je vous embrasse très fort et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et soyez bénis.